parce que les gens qui sont en Guinée, ils vont commencer à pleurer. Bon, je n'ai pas demandé si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez déjà? Très important. Ok. Vous m'entendez? Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatou. Vous m'entendez là? Parce que je n'ai même pas demandé. Donc, je vais lire le titre, voilà. La grande foutaise, c'est le titre. Une seule femme à la CNT. Un, le deux. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du CNRD, félicitations. Et trois, oh là là, je me suis trompée. Au lieu de dire, d'écrire trois, j'ai écrit là-bas deux encore. Je vais rectifier après, Inch'Allah. Trois, assainissement du fichier administratif. Bravo et merci au CNRD. Donc, je vais vous parler rapidement de ces trois points-là. Après, je vais rectifier l'erreur-là que j'ai faite. Donc, nous avons tous vu... la liste qui était proposée pour la CNT, c'était 15 personnes en gros et tout. Apparemment, il y a une seule femme. C'est ce que je n'ai pas compris. Donc, il faudrait rappeler à ces gens et vous qui êtes là en ce moment aussi, essayez de partager s'il vous plaît, merci, de rappeler à ces gens que quand on prend le pourcentage de femmes dans la population guinéenne, le pourcentage est énorme. C'est tellement énorme et en politique aussi. Elles sont là-dedans. Elles sont là. Quand on parle de campagne, quand on parle de... vous savez, les campagnes en Guinée, c'est chanter et danser. C'est toujours les femmes qu'on appelle. Et c'est elles qui souffrent le plus dans la société guinéenne. Ce sont elles le pilier de la société. Ce sont elles qui sont dans les marchés. Ce sont elles qui sont partout, partout. Donc, elles doivent être représentées normalement. Moi, je pense que chaque groupe, chaque parti politique devait mettre au moins une femme. Minimum une femme. Peut-être qu'il devait y avoir 5 femmes et pourquoi pas, moitié, moitié, 7, 7, pourquoi pas pour une fois. Donc, ça, moi, je n'ai pas tout à fait compris cela parce qu'il faudrait qu'ils sachent une chose. Et les femmes, l'électoral, ce n'est pas un faible taux. Hein. Le taux n'est pas faible. Voilà, le taux n'est pas faible, le taux est énorme. Et vu qu'elles sont le pilier de la société et que ce sont elles qu'ils vont aller chercher après pour venir chanter et danser pour eux, je pense qu'il y aura beaucoup de surprises cette fois-ci, Inch'Allah. Parce que déjà, il y aura la rédaction de cette constitution et je pense qu'il faut la voter, la constitution. Et je pense que les femmes doivent voter. Et il y aura beaucoup de lois qui intéressent les femmes. C'est très, très important. Même si les lois intéressent les jeunes, la plupart du temps, les jeunes sont plus rattachés à leur mère qu'à leur père. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Donc, mettre une seule femme sur 15 hommes, une seule femme, je ne sais pas ce qu'elle va dire là, de toutes les façons, il faut vraiment avoir du répondant quand c'est comme ça. Déjà, quand elles sont nombreuses, elles ne disent pas grand-chose, ou quand elles disent, elles n'insistent pas là-dessus, ou alors on ne tient pas compte de ce qu'elles disent. Moi, je n'ai pas du tout apprécié cela. Moi, je prends ça comme une injure, une insulte et une foutaise, mais une foutaise à un niveau exagéré, à un niveau exagéré, parce que quand on prend sur ces 10 années, il y a eu beaucoup de viols, il y a eu beaucoup de meurtres, il y a eu beaucoup de morts. Et tout ça là, ça repose sur la femme. Parce que nous savons bien, quand on perd un enfant, la mère pleure plus que le père. C'est comme ça, les femmes sont comme ça. C'est Allah qui a créé la femme comme ça. Vous voyez? Donc quand on voit qu'on ne donne qu'une seule place, une petite place là-bas, qu'à une seule femme, je pense que c'est triste, c'est dommage, c'est honteux. Et ça, là, c'est inacceptable. Moi, je ne suis pas du tout contente. Je ne suis pas du tout contente. Je me dis peut-être aussi, ils le font pourquoi? Parce qu'il y aura certaines lois. Il y aura certaines lois, certainement, quand on prend la polygamie, par exemple. Ils se disent, oui, quand il y aura beaucoup de femmes, elles vont venir nous fatiguer, nous emmerder pour cette loi sur la polygamie. Tandis que nous sommes des musulmans. Moi, je suis très, très mitigée sur cette histoire de polygamie. Ce n'est pas un débat. Les hommes chez nous, ils sont musulmans quand il s'agit de la polygamie. Quand il n'y a pas de polygamie, l'islam, ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire, l'exemple qu'ils ont pris sur notre prophète, bien-aimé, paix et salut sur lui, ce grand homme, c'est la polygamie, point. C'est tout. Tout son autre exemple, ils s'en fichent. Ils ne marchent pas sur ça. C'est la polygamie, eux, c'est ce qui l'intéresse. Donc, s'il y a beaucoup de femmes, elles aussi vont appuyer sur cette histoire de polygamie. Je pense peut-être que c'est cela. Donc, c'est vraiment triste et vraiment dommage. La polygamie ne peut pas être bannie, c'est ce que je pense. Elle peut être tolérée et il peut y avoir des conditions parce que ce n'est pas tout le monde qui est apte à être polygame déjà. Il peut y avoir des conditions parce qu'il faut que les Guinéens innovent.
Il faut qu'on crée nos lois, qu'on se dise, oui, la polygamie, elle est acceptée, elle est tolérée, mais bien sûr, nous sommes dans un pays laïque, parce que c'est ce qu'ils disent régulièrement. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est ce qu'ils disent à chaque fois, dès que tu parles, gnare, gnare. Non, 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 vous savez, l'islam, là, nous sommes dans un pays laïque. Mais quand il s'agit de polygamie, nous sommes des musulmans. Vous voyez, c'est assez vicieux et paradoxal. Donc, retrouver une petite dame toute là-bas, comme ça, juste comme ça, tandis qu'il paraît que le CNRD, le colonel, en tout cas le CNRD, a souligné qu'il faut 30%. 30%. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir faire leur bazar et tout. Et nous, on ne sera pas contents. Voilà, on ne sera pas contente. Ça, c'est clair. On va tirailler sur ça parce qu'on ne va pas se laisser faire, Inch'Allah. On va tirailler sur cette histoire d'hommes et de femmes. Hein? Ça va prendre peut-être 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois de tiraillement. La transition, ça va peut-être à ce moment-là, 1 an est presque épuisé. Après, nous allons venir sur la rédaction. La rédaction, il y aura des propositions. Il y a des gens qui vont dire, non, nous ne sommes pas d'accord, nous, il faut rectifier ci, il faut rectifier ça, parce que les Guinéens ne veulent plus retomber dans le vice de ce qui s'est déjà passé. Vous êtes bien d'accord avec moi? Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, nous allons tirailler encore sur 2, 3, 4 lois qui est dans cette constitution proposée. Nous allons encore écouler 6 mois à 1 an. Nous sommes arrivés à 2 mois de transition, 2 ans de transition là. Après, il faut la voter. Nous allons commencer à faire des sensibilisations, des campagnes à gauche, à droite. Nous allons aller sur 2 mois, 6 mois, 2 ans, 6 mois, 2 ans, à 3 ans. Tout ça, ça c'est un retard inutile parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre dessus et à cause de leur égoïsme, parce que ça c'est de l'égoïsme et de la méchanceté. C'est de l'égoïsme et de la méchanceté. Moi je suis très très déçue. J'attendais de voir ce qui allait se dire, ce qui allait se passer pour voir ce qu'ils allaient faire. Mais voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et je vous dis, hein, ne négligez pas les réseaux sociaux. Et moi, vous me connaissez. Quand je me mets dans un truc, je ne lâche pas. Par la grâce d'Allah, je ne vais pas lâcher. Parce que je ne suis pas d'accord qu'un pays s'appelle femme, que la majorité de la population soit des femmes, et qu'on aille dans un truc comme ça, qu'on nous amène une petite dame là, toute seule, singleton, unique, tranquille et tout. Sans oublier qu'on a eu, il n'y a pas longtemps, ce n'est même pas terminé, notre soeur Massila qui a été violée et tout. Tout ça là parce que les femmes ne sont pas représentées. Comme elles, ce sont des grandes danseuses et des grandes chanteuses. Comme si ça, cela avait déjà développé un pays où ça avait changé leur statut. On va les appeler dans les campagnes pour aller chanter et pour aller danser. Je ne sais pas qui va vous prendre au sérieux quand vous faites des choses comme ça. C'est ça qu'il faut se dire, il faut se dire la vérité. Et moi, j'avais déjà rappelé au début. C'est la Guinée que tu vois. Il n'y a pas de femmes. Les autres pays, je m'en fous. Je parle de la Guinée. Il n'y a pas de femmes chef de quartier. Chef de quartier. Donc, une femme ne peut pas faire les petites justices de quartier là et vendre les certificats et les crédits cartes là. Une femme ne peut pas faire ça. Une femme ne peut pas faire ça. Une femme qui éduque les enfants, qui entretient une famille, elle ne peut pas le faire. Elle peut le faire. Donc, je pense que vous, les politiciens, vous devrez penser à cela cette fois-ci là. Parce que la Guinée ne sera plus comme avant, Inch'Allah. Vous allez être très, très déçus et très, très surpris. Wallahi, Inch'Allah, ça ne sera pas comme avant. On ne va pas se laisser faire. Derrière mon petit écran, là, vous avez vu mon petit écran, là, l'effet que ça fait, ou bien hein? Par la grâce d'Allah, on verra. Parce qu'Allah, il aime la vérité et la justice. Moi, je ne pense pas que les femmes ne soient pas aimées par Allah. C'est faux. Il y a au moins à peu près 10 pages dans le Coran qui concerne la femme. 10 pages à peu près. S'il n'accordait pas d'importance à la femme, wallahi, je pense que il n'allait même pas parler de la femme dans le Coran, ou peut-être une petite page et puis c'est tout. Mais s'il a mis à peu près, je crois que c'est 10 pages à peu près, ou exactement. Il faudrait vérifier. Donc, ça c'est un point. Les chefs de quartier femmes, les maires, les députés, vous les partis politiques, c'est à même vous de payer leur caution. Tout ça, ça embellit votre parti. Ça ouvre le parti et ça donne un gros poids au parti. Parce qu'il faut que les femmes se sentent considérées et représentées. Votre histoire de singleton femme unique là, franchement, essayez de voir cette histoire là. Parce que vous serez déçus et surpris. Nous allons commencer à tirailler. Nous, on s'en fout. La transition, elle peut durer 50 ans. Moi, je vous l'ai déjà dit, je n'ai aucun parti politique.
Les une année là, j'ai soutenu l'UFDG. Pourquoi je vous l'ai dit? Je ne voulais pas cette histoire d'injustice et tout ce qui se passait. Je ne pouvais pas accepter ça et on ne pouvait pas combattre le colis sans se rallier à l'UFDG. C'est très très simple. Maintenant, si ces partis politiques ne se sont pas souvenus de ça, ça ne va pas marcher. Inch'Allah, ça ne marchera pas. Non, 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 non. Et même rendre hommage à cette dame qui est décédée, cette masse-là de Sito, tout le monde est parti écrire, tout le monde a fait des hommages, tout le monde a dit si, tout le monde a dit ça, vous étiez sur un truc et vous êtes parti chercher une petite dame que vous avez jetée là, comme ça. Comme si dans ce pays-là, il y avait 2% de femmes ou peut-être un seul 1%. Ça, c'est pas sérieux. C'est ma main droite, hein. C'est la gauche, parce que jusqu'à présent, les gens, ils demandent ça. Donc, concernant M. Ousmane Gawal, on va parler de M. Ousmane Gawal. Moi, je suis très, 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 très contente pour M. Gawal, avec tout ce qui s'est passé. Vous voyez, la patience paye énormément, et l'endurance aussi paye, c'est une très, très bonne chose. Mais ce que je voudrais rappeler de ce côté par rapport à la patience et l'endurance et tout ça, ça nous le savons parce que nous savons ce qui s'est passé dans cette histoire de prison. Mais je vais rappeler aux gens qui sont souvent collés à leur parti politique, c'est-à-dire qu'ils sont sur des partis politiques, même que les gens disent la politique, ce n'est pas la religion, non. Il y a des gens qui changent de religion. Tous les jours, il y a des gens qui viennent dans l'islam. Tous les jours, il y a des gens qui partent chez les protestants, chez les témoins de Jéhovah. Ça défie la religion parce qu'il y a des gens qui en ont fait un business. Quand elles demandent un truc aujourd'hui que pour eux, Dieu n'a pas accepté cette prière, ils vont de l'autre côté. Donc, même le fait de dire que ce n'est pas une religion, les gens changent de religion. Comme ils changent de chemise, je connais des gens qui ont parcouru toutes les religions qu'elles apprennent, elles vont là. Donc, ceux qui sont rattachés et collés à leur famille politique, comme si ce n'était pas possible de sortir de là, que ça l'arrange, que ça les arrange ou que ça ne les arrange pas. La politique, c'est les intérêts. Je vous le dis régulièrement. Quand on dit l'intérêt, ce n'est pas l'argent. Et nos mamans sont habituées à cela. Là, là, elles ne vont rien proposer. Elles ne vont se mettre dans rien. On revient à la place unique, là. Elles vont attendre quand les élections vont approcher pour la constitution et autres. On va venir leur donner un peu d'argent. On va leur donner si bon. Elles vont venir chanter et danser. Elles pensent que c'est ça l'intérêt. Non. L'intérêt, c'est celui qui va venir au pouvoir. Est-ce que votre marché, là, il y aura moins de boue? Est-ce qu'il y aura de l'école, des écoles pour vos enfants? Est-ce qu'il y aura des goudrons pour vos routes? Est-ce qu'il y aura peut-être des pensions pour les enfants qui travaillent bien à l'école? Et ainsi de suite. Et toutes ces petites choses-là qui peuvent rendre votre vie beaucoup plus agréable et qui peuvent faire en sorte que vous viviez mieux. C'est tout. Donc, si M. Ousmane Gawal est parti de ce côté, c'est une très, très bonne chose. C'est une maturité politique. Il faut que certaines personnes comprennent que ce n'est pas de la trahison. Ce n'est pas, je ne sais pas, là où certaines personnes mettent cela, il n'y a pas de place pour mettre cet acte-là, où que ce soit. Il sert son pays, il est à l'UFDG, c'était pour servir la Guinée. Il est parti dans le gouvernement de transition, on lui a fait appel, c'est encore pour servir cette même Guinée. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est une très très bonne chose, j'apprécie ça de la part du CNRD, j'apprécie du côté de M. Ousmane Gawal qui aurait peut-être refuser, mais il ne l'a pas fait. Et de surcroît, il est le porte-parole. Il est à la communication chez l'UFDG. Là, maintenant, il est porte-parole. C'est une très, très bonne chose. Il a deux postes, deux places, deux responsabilités très, très symboliques. C'est une très bonne chose. Et que chacun de vous, ceux qui vous qui me regardez là, que vous allez me regarder plus tard, vous pouvez changer de parti politique, vous pouvez changer de vie politique. Vous pouvez prendre des années sabbatiques pour dire « je me repose en politique », tout cela est possible. Vous pouvez donner vos idées, même ceux qui ne sont pas dans cette transition, vous pouvez proposer vos idées parce qu'à la base, c'est pour la Guinée. Ce n'est pas pour vos partis politiques ou pour vos familles politiques. C'est pour la Guinée globalement en gros. Donc, si vous pouvez servir cette Guinée, c'est une très bonne chose. Et j'ai vu aussi des commentaires parce que... Pardon. J'ai vu sur Kumpital.
J'ai vu chez Computal Computal, ils ont utilisé cette vidéo là où ils parlent et tout. J'ai vu beaucoup de commentaires et tout. Il y a un truc qui revenait à chaque fois, le culte de la personnalité, le culte de la personnalité, le culte de la personnalité. Monsieur Ousmane Gaou, voilà, a dit beaucoup, monsieur le colonel président, quoi, là. Il faut prendre ça en plusieurs choses. Celui qui était là, celui que le colonel a dégagé, cela ne peut faire plaisir qu'à monsieur Gaouan. Même moi qui suis là, là. Tous les présidents que la Guinée a eu, nous avons l'habitude de les appeler comme ça. Lansana Conté, Alpha Condé, Sékou Touré. Mais cette fois-ci, souvent, moi, je dis le colonel ou je dis le président de la transition parce que pour moi, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, ce qu'il a fait concernant M. Gawal, que M. Gawal sorte de prison, qu'il se retrouve là où il est, je pense que lui, même s'il attribue, il va même inventer des mots pour donner à ce monsieur-là, ça sera petit pour lui. Parce que c'est ce que je vous disais, quand il était en prison, on ne savait pas ce qu'eux, ils vivaient là-bas. On ne le savait pas. Quelquefois, il faut vous mettre à la place des gens pour comprendre ce qu'ils ont vécu et pourquoi actuellement ils sont comme ça. Donc voilà, c'est une très très bonne chose pour la politique. C'est une bonne chose pour moi, à mon avis, pour l'UFDG, pour M. Gawal, pour la Guinée et pour cette transition. C'est une très très bonne chose. Vraiment. Donc si les gens ont des idées, ils doivent donner leurs idées, hein, parce que à la base, c'est pour la Guinée, ce n'est pas forcément pour un seul parti politique ou quoi que ce soit. C'est une très très bonne chose. Donc le côté du fichier, le côté du fichier, 6300 personnes. Donc ces 6300 personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont été, 6300 personnes on a amené à la retraite. Mais moi, je pense que c'est 6300 personnes. Il y a plusieurs catégories de personnes. Monet, mais comment tu vas, ma chérie? Je ne sais plus si c'est un garçon ou une fille. Elle m'avait dit, je ne sais plus. Quoi. Il faut partager la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, dans ces fichiers-là, il faut rappeler une chose. Il y a des gens qui ont l'âge dépassé, certes, oui, ça c'est vrai. Mais il y a un facteur qu'on oublie souvent et qu'on ne considère pas. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est quel côté? C'est les gens qui travaillent à l'étranger. C'est-à-dire, beaucoup de personnes vont se fâcher, mais moi je m'en fous, comme d'habitude, vous le savez de toutes les façons. On a beaucoup de nos soeurs, de nos frères et tout, qui sont en France, qui sont en Allemagne, qui sont en Hollande, qui sont en Suisse, qui sont en Angleterre, qui sont aux États-Unis, qui prennent leur salaire en Guinée, ça fait plus de 20 ans ou 20 ans ou plus. Ça, ce n'est pas sous le colis. Hein. Le colis a trouvé ce système en place. Moi, je vous le dis régulièrement. Nous n'allons pas poser tout sur la tête du colis. Le colis a trouvé un système. Il a continué dessus, il a ajouté sa part parce qu'il a eu l'opportunité de le faire, il l'a fait. Il n'a pas inventé grand-chose en Guinée. Je vous le dis régulièrement, je vais revenir là-dessus. Donc, il y a beaucoup de personnes, même parmi vous, qui prennent leur salaire en Guinée, leur famille va chercher leur salaire. Il faudrait que vous sachiez une chose, c'est de la triche, c'est du vol. Voilà. Et quand ça se passe comme ça, j'entends certaines personnes dire que ceux-là sont partis brusquement à la retraite. Il faut faire un accompagnement ou, je ne sais pas, un dommage, je ne sais pas comment ils disent ça. Ce que moi, je vais dire à ces gens-là, ce que je vais dire, et yo, le colis Naradi. Ce que je vais dire à ces gens-là qui pensent cela, ceux qui ont travaillé plus qu'ils ne devaient le faire, je pense qu'ils doivent à l'État. Hein. Oui, vous n'allez pas me dire, non, il y a des grands voleurs qui se baladent. Non, chacun a volé à sa hauteur, chacun va payer à sa hauteur. Si c'est une question de remboursement ou une question de quoi que ce soit, je pense que ceux qui ont travaillé, ils ont dépassé l'âge de la retraite, il y a eu un plus. Donc, ils ont perçu plus que ceux qu'ils ne devaient percevoir. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens qui sont là, un peu partout, et il y a des gens qui sont en Guinée, dans les entreprises, bien sûr, je ne vais pas citer le nom d'aucune entreprise, il y a des gens qui sont dans les entreprises en Guinée, qui sont à la fonction publique aussi. Hein. Toutes ces personnes-là ont volé, c'est du vol. Vous n'allez pas être content, mais chacun de nous doit payer. Chacun de nous doit sacrifier quelque chose pour que ça change.
Ce n'est pas que la tête, mais si la tête elle est malhonnête, on nous a amené des gens qui sont à notre image. Quand le colis était là, la façon dont il était venu au pouvoir, ce n'était pas caché. Donc, chacun volait, chacun faisait ce qu'il voulait. Il y a des gens qui prennent leur salaire n'importe où qu'ils soient. Quand je dis ils prennent, ce n'est pas eux-mêmes qui prennent. Ils ont leurs soeurs, ils ont leurs frères. Il y a même des morts qui perçoivent leur salaire. C'est ce qui est contradictoire dans ce pays. Puisqu'il y a des morts, leurs veuves et leurs veufs ne perçoivent pas leur pension. Mais il y a des morts qui prennent leur salaire. Vous voyez, c'est très très critique la situation de ce pays-là. Quand je dis que Allah n'est pas en Guinée, il n'était pas là, il est revenu à 50%. Dieu merci, alhamdoulilah, ça va commencer à aller progressivement. L'honnêteté va être là. Ceux qui sont là, qui travaillent, c'est de la sorcellerie exagérée, dépassée, artificielle, en forme de VIP. Toi, tu es là. Tu travailles. Ton âge a dépassé. Tes enfants sont là, ils ne travaillent pas. Normalement, qui doit travailler? Ce sont tes enfants ou bien c'est toi? En tout cas, tu dois avoir un enfant que tu as pris sa place. Mais tu trouves normal de toujours travailler, d'aller là-bas, que souvent c'est des gens qui sont dépassés. On a besoin de vieilles personnes, certes, oui, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas faire, qu'ils ne connaissent pas faire de nos jours. Donc, même quand il y a des jeunes, ce n'est pas possible. Donc, les 6300, je crois bien que c'est 6300, et les retraités qu'il y a déjà eu, à gauche, à droite, je me demande qui aurait pu faire ça. Si ce n'est pas le colonel là, qui aurait pu le faire? Est-ce qu'un civil aurait pu faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Je ne crois pas. Et il y a des gens qui ne sont pas contents. Ceux qui ne sont pas contents, je ne sais pas ce que vous allez faire pour être contents. Mais nous, on ne se pose pas cette question. De toutes les façons, ceux qui ne sont pas contents, il y a certaines catégories de personnes. Il y a des ethnos, c'est-à-dire les extrémistes de toutes les communautés, toutes les ethnies, il y a certains qui ne sont pas contents. Il y a cela. Il y a certaines personnes qui ne sont pas contentes. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à un coup d'État venant de leur propre ethnie. Alors, eux, ils sont encore plus fâchés. Mais on s'en fout de vous. Vous n'avez rien compris. Pourquoi ils ont retardé? Ils ne sont pas venus faire. Parce qu'ils n'avaient pas le cœur. S'ils ont eu peur, ils ne l'ont pas fait. Celui qui l'a fait, c'est son destin. Donc nous, on se met là. Excusez-moi. Nous, on sera derrière. Inch'Allah, jusqu'au jour où Allah le voudra. Parce que c'était votre musique. Que c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est le Dieu qui donne le pouvoir aux personnes qui vous intéressent, aux personnes que vous aimez, c'est Dieu qui leur donne le pouvoir. Les gens que vous n'aimez pas, eux là, c'est pas Dieu qui leur donne le pouvoir. Eux, ils prennent ça comme ça, c'est eux qui prennent d'eux-mêmes. C'est bien. Vous savez, tant que c'est nous-mêmes, nous avons une autre façon de voir les choses, une autre façon d'analyser, parce que c'est comme ça que ça nous arrange. Mais ce n'est pas comme ça que la vie marche, ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. En 3 mois, bientôt, le 5 mars, le mois prochain, c'est quoi? Le 5 décembre, en 3 mois, ce que le monsieur l'a fait, un jeune de 41 ans, en 3 mois, c'est ce que le vaurien colis bandit voyou là devait faire, mes frères et sœurs, il y a 10 ans. 10 ans! Donc, on a eu 10 ans de retard à cause d'un lascar. Heureusement que celui-là est venu pour montrer aux Guinéens que c'est possible. Ce n'est pas impossible. Mais ça dépend comment tu es venu. Et ceux qui ne sont pas contents de ce monsieur-là, il faudrait qu'ils sachent une chose. Celui qui était là n'était pas à sa place. Donc, celui qui a pu le dégager, il l'a dégagé comme il a pu. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est Allah qui voulait que ça se passe de cette manière-là. Donc, mes frères et sœurs qui sont à l'étranger, là, il y aura remboursement, go. Il y aura remboursement.
Il paraît que même ceux qui piaillent ici, là, au nom de que soi-disant, ils sont en train de défendre le colis, là. Il paraît qu'il y a certains parmi eux qui touchaient un salaire. Il paraît qu'il y a certains parmi eux qui avaient des PV ou matricules, je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils sont fâchés. Et il y a une catégorie de personnes, ça, c'est les catégories d'intérêt personnel. Eux, ils sont encore plus fâchés que tout le reste. Je ne sais pas si c'est les médicaments que vous allez chercher pour vous suicider ou comment vous allez faire. Ah, mais vous devez faire avec, hein. Mais comme chacun a sa solution à ses problèmes, vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Je ne sais pas par quelle méthode ou par quel moyen. Ça, ce n'est pas notre problème. De toutes les façons, nous allons soutenir le CNRD. Et ceux qui attendent qu'il y aura un soulèvement populaire, je vous ai déjà dit. Soulèvement populaire en Guinée. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai dit ça. J'ai dit ça au cas. Je vous ai déjà dit ça. Ou bien. Je ne dis pas que ça ne va jamais se faire dans ce pays. Je n'ai jamais dit ça. Mais ce n'est pas le peuple là. Parce qu'il faut un savoir, une connaissance que ceux qui sont en train de parler n'ont pas. Voilà. Pour faire soulever, sortir les gens, tout le monde de sa maison, pour un objectif dans ce pays-là. Ce n'est pas demain la veille, mes frères et sœurs. Je suis désolée de vous dire ça. Donc, ne vous inquiétez même pas de ce côté-là. Tout ce que nous devons continuer, c'est nos prières, c'est nos doigts, comme on a l'habitude de faire, comme on a fait à peu près pendant ces 1 an-là. Rajoutez nos petites vidéos dessus. Vous partagez, vous commentez, vous likez comme vous pouvez. Maintenant, il y a des gens qui vont parler ici. Je répète, je reviens là-dessus. Sauf Dieu, parce que c'est Allah qui change tout, c'est lui qui sait. Moi, je ne peux pas savoir. Mais ce que je sais par ma petite connaissance que Allah m'a donnée pour l'instant, mon petit 1%, 0,0%, là. Il y a des gens qui vont parler ici. Je vous ai dit que leur langue là aura des poils longs comme quoi. Ceux qui vont les écouter auront des poils qui vont sortir de leurs oreilles qui seront longs comme jusqu'à Conakry là-bas. Ça ne va rien donner, Inch'Allah. Leur bouche là, ça n'est pas arrivé au niveau si ce n'est pas Facebook. Ce n'est pas arrivé au niveau qu'ils mettent leur bouche dans une affaire de gouvernance d'État guinéen. C'est comme l'armée. Il y a le lieutenant, le colonel, le maréchal, le ci, le ça. C'est comme ça aussi. Les réseaux sociaux aussi, c'est comme ça. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Eux, ils pensent que c'est les vues. Our bonne vue. Mais ceux qui s'asseyent là-bas, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Allah n'a pas donné ça à tout le monde. Allah ne peut pas donner ça à ces gens-là qui parlent ici, là. Non. S'il leur donne ça, vous allez voir ce qui allait arriver pour l'humanité. Le monde va finir avant que ça ne finisse. Vous pensez que Dieu ne sait pas ce qui est bon? Donc, il sait à qui donner tel savoir. Il connaît le degré de la puissance de chaque âme et la capacité de frappe de chaque connaissance de chaque âme. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ne vous inquiétez même pas pour ça. Sauf Dieu dit. Sauf Allah dit. Parce qu'il peut te donner une connaissance aujourd'hui, demain encore, il la retire. Et quel que soit le don qu'un être humain a, une connaissance, un savoir, tant que tu ne l'utilises pas dans le sens de l'islam, avec sincérité et certitude, il faut savoir que tu sers Shaitan, que tu sers Iblis. Si quelqu'un vient à l'inverse, sens contraire, qui le fait avec la sincérité et la certitude de la foi, qui croit en Allah, il va te terrasser aller-retour. Tu vas te poser la question que c'est lui-là. C'est l'enfant de cet Allah qui m'a terrassé, lui. C'est la puissance de sa foi, de la certitude et de la sincérité qu'il a. C'est ce qui fait ça. Donc ne négligez pas les réseaux sociaux. Parce qu'on a dit que c'est Facebook qui allait faire tomber le colis. Le colis est tombé. C'est Facebook qui va faire tomber le colonel Mamadi Doumbouya. Mais le savoir qui a été utilisé pour faire tomber le colis, vous avez le savoir là. Vous avez cette connaissance là. Mais si vous avez cette connaissance, le colis n'allait pas tomber. Car. Donc c'est ça. En tout cas, je vous dis merci à vous tous pour les partages et les commentaires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'il nous guide parce que c'est le meilleur des guides. Maintenant, CNT, 15 personnes avec votre singleton que vous êtes parti mettre là-bas, unique là, parce que vous. Vous avez peur que quand les femmes vont venir, c'est l'affaire. Abdallah Bangou, Bangou, Rabah, Kadet Gallo, comment tu vas, ma chérie? Que quand ceux-là vont venir,
C'est-à-dire, eux, c'est l'affaire de polygamie qu'ils vont parler. Les femmes, vous aussi, si vous ne voulez pas la polygamie, il y a la méthode. Soyez sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec la certitude. Et vous lui demandez que Allah, c'est toi qui as créé la polygamie. Je suis une de tes esclaves. J'essaye d'éviter tout ce que tu n'aimes pas. Épargne-moi de la polygamie. Il va le faire. Ce sont des privilèges qu'il accorde à ces éléments privilégiés. Tout ce que tu lui demandes. Le jour que les femmes vont comprendre comment Allah les aime, wallahi, les tributaires que vous êtes en train de faire avec les hommes, là, égalité, quoi. Vous allez arrêter tout ça. Pendant que M. Loire est en train de ronfler, lève-toi. Tu fais les 11 rakats par nuit. Produit éclaircissant, mets toutes les conneries, tu arrêtes tout. Vous pensez que Marie Sissoko va arrêter produit éclaircissant? Elle va arrêter perruque, elle va arrêter mèche, elle va arrêter gros maquillage, elle va porter sa grosse robe. Que quelqu'un d'autre va venir s'asseoir ici. Produit éclaircissant, perruque et tout, que ce qu'elle va dire, ça va passer plus que pour moi. Mais ça veut dire que Allah n'existe pas. Ou peut-être que je ne suis pas sincère avec lui. C'est tout. Quiconque va dans son chemin à lui, quiconque fait ce qu'il veut, il fera ce que toi aussi tu veux. Même si ce n'est pas forcé, mais la plupart du temps, il fait ce que tu veux. Parce que tu as fait, c'est comme un business. C'est le business le plus rapide et le plus simple. Kiff, kiff. Tu lui donnes, il te donne. Rapide. Mais tu fais ce qu'il n'aime pas. Tu fais ce qu'il n'aime pas. Il va te donner ce que toi tu veux. Mais c'est Iblis qui va te donner ce que tu veux. Iblis te donne du monde. Il te fait honte devant le même monde là. Regardez seulement. Maman Rousseau, il faut regarder seulement ce que j'ai dit. Si c'est faux. Donc les femmes, ne vous fatiguez même pas avec ces choses là. Soyez sincères. Essayez d'arrêter progressivement les interdits. Essayez d'être du côté d'Allah. Oh, mon mari là, si je me bats pour lui, quand il va réussir, il va me laisser. C'est que si tu dis ça, tu n'es pas sincère. Tu sais que tu as un créateur qui aime la vérité, qui aime la sincérité. Bats-toi pour ton mari comme tu peux. Oui, moi je me bats pour toi pour que tu réussisses parce que tu es mon mari. C'est tout. Maintenant, s'il le veut faire, il veut aller faire quelque chose derrière ça. Fais la même prière dans l'autre sens. Allah subhanahu wa ta'ala. Moi j'ai prié pour le monsieur là. Ah ouais, il a eu ça. Aujourd'hui il est parti. Ah ouais, c'est ça. Même chose. Vous allez voir. Il va vous répondre. Mais si tu fais ça, ta perruque est accrochée de l'autre côté. Ça veut dire que les cheveux qu'il t'a. N'écoutez pas les imams qui vous disent que ce n'est pas interdit. C'est interdit. Les faux cheveux sont interdits. Ce n'est pas un débat. C'est une ancienne utilisatrice qui vous le dit. D'ailleurs, il faut même le bonnet. Faux cheveux et le bonnet, ce n'est pas la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Le faux cheveux, ça veut dire que les cheveux crépus que Allah t'a donné que tu n'aimes pas. C'est simple. Produit éclaircissant, c'est écrit, ce n'est pas écrit. Non, il n'a pas besoin d'écrire ça. Tout ce qu'il t'a donné, il faut d'abord commencer par aimer ce qu'il t'a donné. Ça commence par le thème. Et là, mais africain, je suis fier d'être africain, je suis fier d'être quoi. Moi, je suis guinéen, tu te tapes la poitrine. Ton thème noir là qu'on t'a donné là, respecte ça d'abord. Quand tu commences par apprécier ça et tu commences par apprécier tes vrais cheveux, peut-être qu'il fera ce que tu veux et tout le reste aussi. Il y a beaucoup de choses. Les sanctions, ça vient mon frère, ça va venir, c'est comme ça. On va aller petit à petit, progressivement, on ne va pas mélanger tous les sujets aujourd'hui. Donc, merci, qui dit là, bravo, je n'ai pas vu ton nom, je vois seulement un gros bravo. Monsieur Soumana a dit, ah, monsieur Soumana, Soumana, bravo, femme, bravo, merci à tout le monde. Donc, vous qui avez vos mamans là-bas, vos tantes et tout, ce n'est pas une question d'école, je vais vous le rappeler ça, ce n'est pas une question d'école. Oh, nos mamans ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Nos mamans, elles ne comprennent pas la politique parce que, comme dit l'étré, je ne sais même pas comment les gens disent cette histoire. Hé, hey, si tu veux qu'un soussou comprenne ce que tu dis, explique-lui un soussou, il comprendra. Il n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Tu veux qu'un Thomas comprenne la politique ou quoi que ce soit que tu es en train de lui dire, une loi, explique-lui un Thomas. Tu veux qu'un Kissien, pareil, un Baga, pareil, un Peul, pareil, un Malinké, pareil, tu l'expliques en bon de ce qu'il comprend, il comprendra. Mais vu que les politiques sont de mauvaise foi, ils ont une mauvaise volonté, ils ne veulent pas que la population comprenne certaines choses. Ils ne veulent pas que la population comprenne certaines choses. Parce que quand la population comprend, eux, ça les dérange. Eux aussi ne peuvent pas nous dribbler parce que les politiques aussi nous dribblent. Ils veulent nous dribbler, ils ne sont pas sincères avec nous, nous mettre dans leur sac. Eux, c'est leur électorat qui les intéresse. Mais ça ne marchera pas, vous.
Inch'Allah, ça ne marchera pas. Maintenant, les femmes là qui ont mis leur connaissance au service d'Iblis en sorcellerie à Philly là-bas, là, arrêtez de donner le pouvoir aux hommes inutilement qui ne rapportent rien à vos marchés, à vos enfants, dans les écoles, dans la vie de tous les jours. Vous avez un pouvoir qu'Allah vous a donné. Utilisez-le dans le sens de l'islam. Il faut utiliser ça dans le sens de l'islam. C'est tout. Quand tu vas utiliser ça dans le sens de l'islam, tu vas voir que les hommes, là, ils ont besoin de vous pour le pouvoir. Ils vont être sincères avec vous. Vous aussi, vous allez leur dire, nous allons voter pour vous parce que. Nous, notre quartier, on n'a pas de marché. Notre quartier, on n'a pas d'école. Notre ville, il n'y a pas de goudron. De Conakry à ma ville, il n'y a pas de route. C'est ça le grand business. Ils vont comprendre, ils vont savoir qu'ils ont en face des femmes qui ne sont pas des danseuses. Ils ont en face des femmes qui ne sont pas des chanteuses, mais des femmes qui sont soucieuses de leur quotidien, qui veulent que leur quotidien s'améliore. C'est là qu'une personne, quelle que soit la personne, se rend compte que la personne qu'il a en face a quelque chose dans sa tête. Parce que ça, ce sont tes intérêts. Ce n'est pas les miettes qu'on va venir te donner. Ça, ce n'est rien. Tu vas dépenser l'argent là aujourd'hui. Demain encore, tu voudras encore de l'argent. Mais quand tu auras ton goudron, ton marché, ton école, tous les jours, tu vas voir ce marché. Toi-même, tu es fier de toi parce que c'est une proposition que tu avais faite. C'est une réclamation que tu avais faite. Donc, tu es contente. Tu es content. Tes enfants sont contents. Et ce politicien-là aussi, il est content. Partout où il passe dans le quartier, Berousson Wairatama, les gens applaudissent et les gens sont contents de lui. Donc, c'est un business. Ce business-là, il faut que ce soit comme ça. Les politiciens, je suis encore revenu, je reviens encore. Votre histoire de singleton de femmes-là que vous avez mis là, ce n'est pas une bonne chose. Vous allez retarder cette transition-là. Merci, merci à vous tous. Merci. Bienvenue aux États-Unis. Merci. Laisse le colis. Laissez le colis là-bas. Que le colis a construit une usine. Et il faut laisser le colis là-bas. Pardon, le colis a déjà ses problèmes. Il faut le laisser. Tu vois, moi, je parle très peu de lui parce que là où il est là, on voulait qu'il parte, il est parti. Nous devons avancer, nous devons progresser, nous devons laisser tout ça derrière nous. Ce que les gens que ça intéresse, eux vont parler d'eux parce que les gens qui parlent la plupart de lui, on a coupé leur argent. Vous savez, c'est quand on ferme une usine. Vous voyez en France souvent, quand on ferme les usines, ce n'est pas les propriétaires d'usines qui sont là pleurnicher. Hein. C'est les ouvriers qui pleurent. Vous voyez? Donc ceux qui parlent là, beaucoup, la plupart du temps, c'était des gens qui étaient payés. Comme leur argent est coupé aujourd'hui. Ça même, c'est malhonnête. Tu es là, tu parles à tes frères et sœurs. Tu vous insultes les gens tous les jours. Mais il faut mettre derrière que moi, je fais ça, mais je suis payé des. Ça, c'est une forme d'honnêteté. Moi, je vous ai dit, le jour que quelqu'un me donnera un franc, il faut savoir que ton nom viendra ici. Même si tu dis quoi que ce soit, je vais dire. Je vais dire que telle personne m'a proposé ça, ou bien il m'a donné, j'ai pris, ou bien je n'ai pas pris. Donc, si quelqu'un veut faire, il faut bien réfléchir. Hein. Ça, c'est honnête. Il faut le dire. Moi, je gagne ma vie ici. Moi, je parle ici, je défends Paul ou Pierre, surtout ceux qui étaient au pouvoir là. Moi, c'est ça qu'on me donne. Quand vous les voyez là, insulter ici, rentrer dans les vies des gens, moi-même, ils m'ont inventé des vies. Mais c'est une bonne chose. Comme finalement, Allah a répondu pour moi, il dit que moi, ça, c'est ma personne. Marie Sissoko, c'est l'un de mes éléments. Guerrier moderne, les guerriers modernes d'Allah avec la bouche. Tu combats avec ta bouche, c'est tout. Tu essayes d'éviter tout ce qu'ils n'aiment pas, tout ce que tu peux. Tu essayes de le faire. Voilà. Donc, c'est ça. Ceux qui ne sont pas contents, c'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Vous avez le choix. Vous pouvez aller là où vous voulez. Il y a beaucoup de pages. Mais affaire de Guinée, je vais vous le dire encore 50 000 fois. Ceux qui s'asseyent pour le trône là-bas, pour gouverner la Guinée, ceux qui parlent ici là, non, ce n'est pas eux. Ils ne peuvent rien. Et moi, on va cesser là. Le chef de quartier, Bama. Leur bouche, même un chef de quartier, ça ne pose pas un chef de quartier, ça n'allait pas un chef de quartier. Parce que ce n'est pas à leur niveau. Ça, c'est Facebook qui donne ça. Que les gens s'asseyent, ils parlent. Ça vous déconcentre. Ça ne donne rien. Vous êtes là. Après, vous avez honte. Donc, c'est ça. Moi, au moins, c'est une coïncidence. Hein.
Mais ça coïncide car. Ouais. Inch'Allah, il y aura d'autres coïncidences encore. Donc, on vous attend. Les hommes, on vous attend pour la constitution. Vous savez, non? Il y avait une affaire de constitution avec FNDC, ou bien les gens qui me suivent en ce moment, il faut leur demander. Ils vont vous dire. Si vous pensez que Facebook, c'est les vues, vos vues là vont vous foutre la honte ici. Parce qu'Ali, il y a un peu de temps. Il va perdre. Zéro devant, zéro derrière. Aller retour devant, en haut, en bas, bien zéro. À mon nom, malandé, parce que vous voulez, là. Je vous ai dit ça ici. Le mensonge, il faut le pourchasser, prendre son temps et être patient. Donc, nous allons soutenir le colonel Mamadi Doumbouya parce que c'est son destin. Parce que vous qui êtes là, chacun de nous a fait un petit clic ici. C'est tombé sur le monsieur-là. Jusqu'à la limite du raisonnable, jusqu'à preuve du contraire, le jour que moi je ne serai pas là-bas, je sors mon pied dedans encore. Voilà. J'ai dit, vous là, je reviens ici, Inch'Allah. Parce que c'est ici que j'ai dit. J'ai dit l'affaire de colonel Mamadi Doumbouya là. Ouais, c'est ça. Je vous l'ai dit. Comme les gens qui ont pris une seule femme là dans leur parti pour leur groupe de CNT. Comme vous voyez les foutaises des gens là. Wallahi. Et un pays comme la Guinée, même faire honneur à Massila là, avec ce qu'elle a vécu, elle vient de vivre, même si c'est ça. Vous avez reconnu, hein? Faut pas retarder la transition, là. Parce que si ce que vous commencez, là, nous aussi, nous allons commencer à sortir des techniques à gauche, à droite. Ça va vous fatiguer. Vous, les partis politiques, là, ça va beaucoup vous fatiguer, Inch'Allah. Il faut pas faire ça. C'est pas sérieux, c'est pas gentil. C'est pas bien. Wallahi, vous avez déconné. 15 places et une femme. Dis donc, quand même. Et puis, comme je l'ai dit, je reviens dessus. Les chefs de quartier, il faut commencer à chercher dans vos partis politiques les chefs de quartier que vous allez présenter, les femmes. Oui! Les maires, les députés, il faut commencer à réfléchir à ça. Si vous ne le faites pas, nous allons en parler ici, Inch'Allah. Nous allons en parler ici, nous allons revendiquer ici, nous allons bien vous fatiguer, Inch'Allah. Vous allez voir. Et madame les sorcières, votre sorcellerie là, utilisez-la correctement. Ça peut vous mettre là où vous n'imaginez même pas. À bientôt, merci beaucoup. Merci pour les commentaires et pour les partages. Les gens qui sont en Guinée, si c'est long, je suis désolée parce que c'est pas facile pour les passes, surtout les passes orange. Là, il y a beaucoup de plaintes derrière orange et l'affaire du passeport. Bah, j'espère que ça va, pardon, j'espère que ça va s'améliorer par la grâce de Dieu, par la grâce d'Allah. Et on verra, je ferai un direct quand je peux, quand j'ai le temps. Vous voyez, aujourd'hui, je l'ai fait tard, c'est à cause du décalage. C'est comme ça, pour le moment, on ne fait pas tout le temps comme on veut dans la vie. Il y a des moments, comme vous voyez, quoi, on n'a pas besoin de faire de commentaires pour ça. Donc, la Guinée rassa boufangina, m'yoyira, m'tammakolo, alala kanyikolo, ara et... Et à la fin du bourma, et rebour retrouvé, et rendre la Guinée Kanenda, la marasque de Nere, Moussoumia Krayaroma. Parce que tant que je vous reviens sur ça, c'est cette histoire de l'islam à la mosquée qui nous a amené dans tous ces problèmes-là. Quand c'est un état de. Bibi, je suis condamné à Digo. Merci, ma chérie. Quand on l'utilise comme état d'esprit, style de vie et mode de vie, on sort de la mosquée et c'est partout. Mais le fait que nous sommes campés sur cette histoire de mosquée, les gens n'arrivent pas à comprendre et ça va énormément les fatiguer et c'est en train de nous fatiguer. Mais malheureusement, dans les lois, quand c'est polygamie, c'est dedans là-bas. Donc, il ne faut pas jouer avec les nerfs des gens. Il faut être concret et il ne faut pas prendre les gens pour des gens qui ne comprennent rien. Les gens comprennent les choses. Mais il faut aller dans le respect, dans les règles de l'art aussi. Donc, la Guinée a sa famille en Réira al-Rémali. L'on n'a pas utilisé les modèles de l'Ubafi, 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 et Bafi n'a pas contre l'Alané Fanda. N'tam Mali, si ce qu'on a un dos, ou y a Béki. Alla, attendant son dom, ma fille, nous n'y a ni qui me fait un boy, ma fille, nous n'y a rien, ma fille. A Kerenakulu, Ambara qui tient son dom, ma fille, nous n'y a ni qui me fait un boy, ma fille, nous n'y a rien, ma fille. N'y a rien, moi, ma combat bloqué qui fait. Kassalina, Alla, à Kran, moi, ma combat bloqué qui fait. Ou Serebama, ou Werebama. Ou quoi,
Durodari, Donzodari, Korodari, Misé, Gigé, Anglidi, Simbondari, Kouyedari. On a cessé d'utiliser les rambarnes et moi à la tang à Kolo, à la Rakanoura, à la colonel guidé, parce que Tana Rakouni guidé ma. Yanni Gayon a fourni Tama Kolo, mais à la guidé, nan n'a pas à moutan Tama, à tant nous. À la collaborateur et à nous à malimé à la réguider alco on t'en la guinée qui rafale son alhamdulillah rabbil alamin parce que c'est honteux. Il faut que nous reconnaissons cela. Il faut qu'on se remette en question. Un pays ne peut pas être comme ça, de cette manière là, vivre les conséquences de la guerre tandis que ce pays n'a jamais vécu la guerre. Quand je vois les gens critiquer ce colonel, dire des choses, il a fait ci, il a fait ça. C'est les mêmes personnes qui sont encore en train de dire ou qui étaient en train de dire que la Guinée doit avoir un Kagame, toute l'Afrique doit avoir un Kagame. Ils oublient que Kagame a été génocidaire, ils oublient que Kagame a été rebelle. Bon Dieu, le bon sang. Il faut être cohérent et concordant dans ce que nous sommes en train de faire parce que ça n'a pas de sens. Donc, vous pensez que vous pouvez avoir un Kagame en Guinée qui veut transformer la Guinée plus que le Rwanda? Yeah? Vous-même, vous allez chasser le Kagame là. Parce que déjà, avec ce qui s'est passé, il ne peut pas y avoir ce genre de choses sans qu'il y ait mort d'homme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu peux pas, on ne peut pas avoir trois camps dans ce pays-là aujourd'hui. On ne peut avoir que deux camps. Au fur et à mesure que les élections s'approchent, les camps vont se détacher. Pour l'instant, ça sera deux camps. Ceux qui soutiennent la transition et ceux qui ne soutiennent pas la transition. Ça, ce sera les éléments de tous les partis politiques qui se seront de part et d'autre. Et ce sera toutes les ethnies qui seront de part et d'autre aussi. C'est comme ça. Mais s'il y a ceux qui soutiennent la transition, ceux qui ne soutiennent pas la transition et les partis politiques de l'autre côté, donc on aura trois groupes, les forces seront dispersées. C'est pourquoi nous devons rassembler toutes nos forces ramener sur la transition. Quand la transition va bien se dérouler, chacun va aller dans son parti politique, chacun va aller là où il veut, soutenir son parti, faire ce qu'il veut, c'est tout. Parce que sinon, nous allons donner la force à ceux qui veulent que cette transition-là échoue. Il n'y a pas 50 000 personnes qui veulent que cette transition échoue. Les gens qui avaient la main dans le miel, c'est eux qui veulent que cette transition échoue. Sur les réseaux sociaux, et ailleurs. Mais les réseaux sociaux là, ne vous inquiétez même pas. Inch'Allah. Amounoma d'engidé ralati. Sentanete mounoma d'engidé alhan rirouma. Namourabama. Fali de fa moufire ralabé. Di colonel Sabah de Nere. Ou mouna non colo mounanara. Mais il y a des gens qui vont mourir dans l'affaire du colonel là. Ou devenir fou ou folle devant leur écran ici. Inch'Allah. Parce que Alana falagi. Et en nara namara fou et tangbi. Et qui rit sentanete. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les oiseaux par leur plumage. Même si ce n'est même pas une question de style vestimentaire. En plus, ça raborira fait oui. Voilà. Et tout le monde, Mimi Bamoura a dit, et tout le monde, tanga, aura koumire balan, aura le mérite à tantam, aura un niveau mouna liri. Le chef de quartier, tu as fait un temps de soukou, tu as fait un temps de chef de quartier. Fali de chef de quartier à la Kirinan. Tu as fait un temps de soutenir. Tu as fait un temps de soutenir. Tu as fait un temps de soutenir. Parce que tu as fait un temps de soutenir. 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 Donc, il y a un système à Bélimane, Era Yagi, Era Yerebi. M'banere couvre le soufi, n'ere nous couvre le souma, et nous si et bakoué bore, et nous mere bakoué bore, et t'en a intérêt personnellement, Toto, Era du colonel Fammanoro, c'est le delin yalo manori et ranakine. Alan nabari ira. C'est le delin yalo e findi, et gay sa yembera, et rakamedi manoro. Obara bako colonel Fanna, obara bako di Fanna. On voit ils sont mal. Allez tiens. Mais si on veut amener à masse, on va stopper là. On tente de faire stopper. Ah non là, il est mon gaffeur. Il mon gaffeur n'a attaqué. Ah non là, il est yes. Il mon gaffeur n'a attaqué. Allah m'a sim moubé. Attends Amiri. Ah Amiri na. N'agace pas le bide. Alpha Condé t'en fera.
sentane twenira deba mara deba munanara donc ne gayera bi fem fe wo continue ne gay wa mi gadi colonel madou e gadi transition manou wo la sessira sentane ga kraya goma na hamuna ala ga kraya goma ala ga wura yebi ala ga kanura wo fonso fe fe ga rezo sosio na rapa ga kene na rapa ga dungu na rapa ga musulum ya kraya goma ga mara feu mende ala subhanahu wa taala tananguda atana la gineda wona ni nunda ni na ga utiliser fa tanana fanda wo wa fe mi gene ga be rezo sosio ma atana ne fanda ne la ne wura en wo mato wonu bule fa la ne be fen ko bala se fera ala wura yebi ata kolondora ala ata kolomunde nan tamfanna kan fangu tantangi kira ya homma anun ne gebira kun fora ala ga mu bana tantangi kira ya homma donya tanan no manara an nin sokon aga muti wala ma mugati den nakai na fa nyamara tantang nyama fa na fa tantang fora ko na nyamara tantangi kolo e mi kena na tantang parce que vous ne fallait ta kula na kan fala fi wule na e wule fala ma hanye ina ga tamma ko do wule na kibira na kan fora wule na kan jira alfa ko do wule na. Il a été monté de toutes pièces. Haïtan n'a défendu, vous le fallait nira. Réunion et sarre finama, vous le fallait nira. Ira etinier, papa, mori, n'a pas qu'il y a tanga kumi, yon bibé. M'bana kumi, à la rana fouille la terre. En au gros fouille, à la rau fouille, maga. En un minima d'aide fana, à la rana fou maga. Ramino fougene, à la ranaga. Raminima la bene, à la rana fou maga. Naran yo à la bafi, à la neta yon, n'a pas mes colonnes. Donc, Daniel, comment vas-tu? Merci à vous tous. Au fond, on a la macandira. Mikaïlou, comment tu vas? Et Kamara, Stone Camps, comment ça va là-bas? Donc, au fond, on a la macandira dans vos prières. Priez pour la Guinée. Continuez à prier, ce n'est pas fini. Continuez à prier pour ne pas que ce colonel-là déraille, pour ne pas qu'il prenne une mauvaise route, une mauvaise décision. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, pourquoi on aille se retrouver dans le même faux problème encore? Il faut que ce soit Issa So, merci, il faut que ce soit mon frère Anali, n'y a me reconnaître. Tanamu, il faut que ce soit sur du long terme pour nous. Chaque fois qu'il dit, il dit que c'est pour nous et pour nos enfants. Lui, il dit nos enfants, nos petits-enfants, le demain. Voilà.